Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir sur la tribu Linshi, c'est qu'aujourd'hui, la grosse majorité est de religion bouddhiste et la deuxième religion, c'est l'animisme. Alors malheureusement, même si l'animisme est la religion principale, aujourd'hui la tribu Linshi a adopté les coutumes occidentales et notamment porte des tenues comme les nôtres en dehors des festivals. Alors, 22 millet, il faut savoir que le 22 millet, depuis tout à l'heure, j'en ai tout le temps avec moi, puisque nous avons rencontré le monsieur qui organise ce festival. Il a absolument tenu à nous souhaiter la bienvenue en nous donnant du 22 millet. Donc, je porte avec moi toujours un petit gobelet, je vais vous montrer, de 22 millet. On avait eu ça pour boire de l'eau et finalement j'ai du 22 millet à l'intérieur. Alors je ne sais pas où sont passés les autres blogueurs, mais je m'en fous complètement puisque moi je suis avec les chamans. C'est l'activité principale du festival de Myokum. Et voilà, donc ça ce sont les deux messieurs qu'on voit avec l'espèce de touffe. Ce sont des chamans. Et le chaman principal est sur ma droite. I'm very lucky. Ça c'est la coiffe originale des Linshi, puisque vous voyez que celle-ci est faite vraiment avec le bec du hornbill. Sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est interdit de nous tuer ces animaux, ces oiseaux. Donc évidemment, on utilise du plastique, mais celui-ci est vraiment fait de façon originale. Ici, c'est fait avec du poil de chevreuil. Ici, on retrouve le bec du hornbill. Ici, c'est une plume d'aigle. Et derrière, ce sont les plumes de ce qu'on appelle le drongo. Je ne sais pas le nom en français, je suis incapable de vous le dire. Vous voyez également le sac à dos traditionnel qui est porté par tous les membres de la tribu Linshi. Pas que les chamans, là c'est l'assistant du chaman, du chaman principal que je suis en train de filmer. Mais tous les membres de la tribu Linshi portent ce genre de sac à dos. Voilà. J'ai vraiment de la chance parce que les autres blogueurs nous ont finalement rejoints, mais ils sont dans l'autre groupe, alors que moi je suis avec les chamans. Ils m'ont demandé de les rejoindre, donc je n'ai pas hésité, je me suis assise avec eux. On m'a offert à la fois du 22 millet pour la bienvenue, mais également du porc. Ça c'est un sac à poil de chevreuil, de cerf. Ils sont en train de préparer.
etc. Le gingembre est très important. C'est aussi un aliment sacré pour les nichis. Tu comprends? Alors avant, cet ornement était en plume d'aigle. Seuls les chamans. Aujourd'hui, d'autres personnes le portent pour des raisons de mort. Yeah, I know. I was on time. Le chaman principal a commencé à chanter. Le problème, c'est que les gens ont tellement de bonnes idées. C'est très bruyant. Et après, il y aura des éléments pour la puja. Alors, je crois que celui qu'on voit sur la gauche, c'est vraiment la coiffure traditionnelle, c'est-à-dire que ce sont ces cheveux qui sont utilisés dans sa coiffure. A priori, il y a des cheveux noirs. Ce que m'a expliqué le docteur ami de maman, par rapport au festival, c'est que ce rituel avec les chamans est le plus important de mieux. Et en fait, aujourd'hui, ils ont rajouté, ils ont rajouté d'autres choses comme les danses, comme le sport, de façon à ce que les personnes ne s'ennuient pas, mais le rituel principal, c'est vraiment ce qu'on dit avec les chamans. Alors, on n'arrête pas de nous faire manger entre le porc, le poulet, le bison, le riz. Là, ce sont des légumes. Je pense que ce sont ceux qui sont récoltés dans le courant de la rivière. Oh,
problème, c'est que tout le monde parle, tout le monde est libre. C'est plus la musique dehors, c'est tout ce qu'on porte. Mais juste dans les courses, dans le chaman, on n'entend presque pas chanter. C'est extrêmement dommage. Dénaturé en plus.